Assalamu alaikum, mes amours, coucou mes amours, ça fait un bail là, hein? Je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, on va faire une recette très simple, très rapide. Tu es rentré du boulot là, tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire. Donc, c'est pour ça que je te montre la recette là. Tu peux faire ça pour ta famille. On sait que, par exemple, nous, les Européens et Américains, toujours occupés là. Donc, on n'a pas assez de temps, donc les recettes comme ça, très rapides pour une maman qui est tellement busy là. This recipe is so quick and easy to do it for busy mom. Donc pour ça, je vais mettre l'huile dans une poêle là. Voilà, la quantité là, c'est bon. Et je vais rajouter mon oignon découpé là. Ça, c'est juste demi-oignon. This is half onion. This recipe is for mom who are so busy, don't have time to cook all the time. So I'm going to fry my onion for 2-3 minutes. Now, je peux mettre mes viandes hachées. I'm going to have my minced beef. This is 1 kg. Ok, ça c'est 1 kg de viande hachée. Et voilà, je vais mettre tout là. Ah, your girl was sick. I had Omicron. Yeah, je vais mettre un peu de poivre. J'étais malade, j'avais Omicron, mais alhamdoulilah, ça va beaucoup mieux. Ça, c'est de l'ail en grain, that's garlic. Le site, there's no way, but thank God. I'm fine now. Vegetable seasonement. Je vais mettre une cuillerée à soupe de ça, une cuillerée à café, je veux dire, un teaspoon. Si tu n'es pas abonné, tu es là. Pour la première fois, n'oublie pas de t'abonner et allez-y me suivre sur mon Instagram, le secret de la bonne cuisine. Go and follow me, girl. My banana milkshake. Go and follow me on Instagram. Et voilà un peu de French English mustard, je veux dire. Go and follow me, please. Et ça, c'est ma chaîne YouTube aussi, Fifini Lifestyle, for my lifestyle. Pour perdre du poids, that's my weight loss channel. Go and subscribe there too. Go and subscribe to my YouTube channel if you need that. And that's my vlog channel. Ça, c'est ma chaîne pour vlog. Pour la famille, Sweet Fifi and Fam sur YouTube. Allez-y vous abonner. Go and subscribe there too for my YouTube channel, vlog channel. Et voilà, I had parsley earlier. And spring onion. J'ai mis un peu de persil et parsley. Un peu de persil et oignon vert. J'avais oublié de vous montrer. Comme vous pouvez voir, j'ai mis aussi un peu de magic sirop. Et donc, c'est presque fini comme ça. Comme je vous ai dit, c'est très rapide à faire la recette là, honnêtement. Très rapide. Et voilà. Ça, c'est les wraps. Les bread wrap, non bread, un wrap pour la recette là. Je vais vous montrer comment je vais faire. That's wrap bread. I'm going to show you how I make this one. I'm going to slice it. I'm going to use pizza slice. So, I'm going to show you how we're going to make this one. You see, you fold it just like that. C'est comme ça on doit faire. OK? Donc, je vais mettre ma farce, ma viande hachée que j'ai cuite. Mais je vais mettre du fromage là. Seriously, fromage. Mes enfants adorent ça tellement. This fromage is so nice. My kids, they love this cheese. I'm not a big fan of cheese, but my boys, they love it. Je ne suis pas tellement fan de fromage comme ça, mais comme c'était pour le dîner rapide là, I don't mind. Donc, je vais spread ça et je mets ma viande hachée que j'ai cuit là. Je suis désolée là, je ne vous ai pas montré quand j'ai mis les persils là et, comment dirais-je, un oignon vert, ok? Voilà, oh, j'avais oublié de mettre du fromage râpé aussi, mozzarella râpé, je veux dire. Mais tu peux mettre fromage râpé ou bien mozzarella. J'avais mozzarella, mais j'ai utilisé mozzarella. Donc voilà, je ferme comme ça. Et serious cheese là, un soft là, cheese, ça m'aide tellement à fermer. That soft cheese helped me to close my wrap. Voilà, je remets encore un peu là-bas. Et je mets mon viande hachée, si tu peux. Tu peux mettre la salade, mais comme c'était pour les enfants, mes enfants, salade, c'est pas leur goût. Ils n'aiment pas tellement la salade. You can have salad if you want. Cucumber, tomato, but that was for one of my boys. He don't like any of that. Il n'aime pas tout ce que je vous dis là. Il n'aime pas ça. Donc voilà, je vais fermer.
Et je mets un peu de fromage encore pour m'aider à fermer. So I'm gonna use my soft cheese to help me to close it. Like I said, you can have cucumber, tomato if you like it. And I'm gonna bring my grill. We're gonna toast this one like taco, okay? On va toaster ça comme taco. Et voilà, je referme. Juste peut-être pour une minute. Une minute, deux minutes, ça sera prêt. Simple, tu rentres là du boulot. Moi, j'étais fatiguée, donc je suis rentrée. J'ai fait quick dinner. Quick, very, very quick dinner. Et voilà, c'est bon maintenant. On va accompagner ça avec des frites. Je ne vais pas vous montrer la partie là. Et voilà, le dîner est prêt. Peut-être ça va te prendre 20 minutes, pas plus. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, partager, aimer. Comme je vous ai dit, je vais très bien. J'étais malade, mais I'm back. Je suis de retour, I'm back. Je vais très bien, alhamdoulilah. Je vais très bien. Je vais mettre un peu de tomate ketchup pour les frites. Et tu manges ça, tu es à l'aise. Ou bien, c'est très bon et très facile à faire. So good. So, à très bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, partager. Et salam alaikum.